ça. Toute l'école l'a remarqué. Excuse-moi, Lucien. Pourquoi ça t'a choqué? Pourquoi? C'est bien normal. Sylvia, ici nous sommes entre artistes, vache et carmélite. Hé, hey, te sauve pas comme ça. Il faut que je te parle. De quoi? De toi. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tes lèvres étaient les plus sensuelles? Tu me drives ou je me trompe? Gagné. Ça te déplaît que je te drague? Bah oui. Tu n'arriveras à rien dans mon cours en agissant comme ça. Interpréter un personnage tout en étant crédible reste le principal défi auquel est toujours confronté un acteur. Étant entendu qu'il faut parfois supporter les conséquences. Désolée, j'avais pas compris. Non, c'est moi qui m'excuse, Sylvia. Tu fus la victime d'une improvisation kamikaze, ce qui implique d'interpréter un personnage dans une situation réelle au point d'en assumer toutes les conséquences. Au risque de se prendre une claque. Bien que me connaissant depuis plus d'un an, tu t'es extrêmement senti harcelé par ton prof. C'est vraiment aux fesses. Victime? Non, en fait, j'interprétais un personnage vraisemblable, un harceleur. Et connaissez-vous une meilleure méthode pour vérifier la crédibilité d'un acteur? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de monter sur scène? Bonne question. Quelle différence faites-vous entre le jeu de Marlon Brando et celui de Sylvester Stallone? C'est qui, Brando? La technique? Le talent et les kilos? Oui, et ils ont reçu des formations différentes. Mais le plus important, c'est leur capacité à transcender le personnage. Dans Le Parrain, Brando ne joue pas. Il est un authentique chef de la mafia. Et c'est ce que nous allons travailler cette semaine. La vérité, la crédibilité. Je vais donc demander à chacun de vous de préparer un personnage kamikaze. De quel genre? Alors là, je m'en fiche complètement. Celui que vous voulez. Mais sa crédibilité devra être totale. Et vous ne devez rien dire à personne sur le personnage que vous aurez créé. Attention, ne dépassez pas les bornes. Celui qui finira au commissariat sera sanctionné. Vous avez bossé, mais c'était pas pour rien. Oui, mais pour la chorégraphie, il n'y a pas encore de quoi pavoiser. T'as mal dormi, Tiana? Ah, bien sûr, il y a des choses à améliorer, mais là, on voit un groupe qui tient la route. Il vaudrait mieux attendre la sortie du CD avant de dire qu'on est vraiment un groupe, on verra. Une question très importante. Combien ça va nous rapporter à chacun, en fin de compte? Pour être clair, chaque CD vendu, notre pensante... Tizouane, qu'est-ce que je deviens, moi? J'ai toujours aucun contrat, faut que je voie le producteur, je vis pas l'air du temps. Bah, écoute, moi je vais y aller, hein, je t'assure. Ouais, bon bah je vais l'appeler, j'en ai marre d'attendre. Très bien, vas-y, appelle-le et mets les choses au clair. Les choses au clair, exactement. Et puis non, je vais pas l'appeler, je vais y aller, ça va pas traîner. Parfait. Et puis moi j'y vais parce que j'ai cours là, hein. À tout à l'heure. Je voudrais te faire une suggestion, Diana. Quand tu verras le producteur, n'hésite pas à le draguer, histoire que le CD sorte plus vite. Imagine-toi que j'ai déjà essayé, mais c'est toi qui lui as tapé dans l'œil. Tu pourras bien tout vérifier. En paix tout le monde! Il est pas midi, je suis déjà morte. Dites, vous imaginez si gros cartonnet et qu'on devienne toutes des vedettes? Moi, je me vois dans un stade plein à craquer avec la foule qui scande. Peut-être que je change un peu de look pour passer à la télé. Lequel? Et si je me faisais une coiffure un peu dans le genre mi-long, frisé? Ah, moi, mes cheveux, j'ai touché.
barbe érotique. Ah, j'aurais bien besoin d'un petit stage accéléré. Être un peu comédien, c'est rentable dans ma profession. Ah, vous n'êtes pas acteur? Non. Non, mon activité est plus ennuyeuse. Vous me laissez, Roberto, un moment? Dis-moi, tu as un costume ici? Ben, oui. Bien, va le passer, je t'attends. Mais vite. Mais j'ai un examen. Il n'y a aucun problème, je vais leur demander de t'excuser. Je t'emmène dîner pour parler de la fusion et te présenter à nos associés. Papa. Magnifique. Mais les limites, ce sont celles que tu me donnes. C'est à toi de savoir jusqu'où tu dois m'absenter. Rien de grave. Non. Pour le comique, est-ce que mon... Ou tu le passes dans une heure, ou c'est tant pis. Tant pis. Dans l'œuvre d'Oscar Wilde, la forme l'emporte toujours sur le fond de la fable. L'originalité du langage repose pour l'essentiel sur l'ironie de l'auteur. Une boule sur un mur qui picotait du bras dur, picoti picota, lève la queue et puis s'en va, picoti donc et picota. Tu n'y vois pas.